Ça recommence. Regarde, ça recommence. Oh non. Je goûte plus rien. Ah, dis. Est-ce vraiment nécessaire? Non, mais c'est chouette. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est totalement inutile, certes, mais qu'est-ce que c'est bon. Voilà. Alors, Papounet? Oui. Ça se passe bien ce voyage? Ah, bah écoute, c'est super, hein. Bon, ouais. Ça va, la route elle est plate. Ah, ouais, enfin, c'est monotone. C'est très monotone. Là, la route sud des États-Unis, Texas, Louisiane. C'est pas très. Voilà, c'est pas le Grand Canyon, hein. Non, non. Mais il y a quand même quelque chose à dire par rapport à chez nous en Europe. On se trouve ici dans des endroits désertiques. Bon, ça fait je sais pas combien déjà, 200 km. Oh, ça fait plus de 250 km. 250 km que l'on fait. Tout est désertique. Donc c'est-à-dire qu'on ne voit pas une maison. Et tous les 10-15 km, il y a une pompe à essence avec motel, super commercial. Il y a un centre commercial, plusieurs chaînes de fast-food. Ah, là, si tu tombes en panne d'essence ou si tu crèves de faim, c'est vraiment ta foirée. Ah, hein, c'est qu'à la roue, t'es tombé endormi alors. Là, franchement... là c'est que tu joues à la roulette russe parce que tomber en panne d'essence ou crever de faim, c'est pas possible. Et puis, le nombre de panneaux qui t'invitent à bouffer, à bouffer, et encore à bouffer. Mais même au centre commercial, on a été dans un Walmart. Ouais. Alors des sodas, t'en trouves tant que tu veux, mais de l'eau. Oh, de l'eau? Alors là, il faut les chercher. Ah, alors, les seules bouteilles qu'on arrive à trouver, c'est des petites bouteilles. Là, tiens, regarde, voilà. C'est de cette taille-là. Et autrement, t'as le gallon. C'est ça ou 4 litres? 4 litres. Ouais, voilà. T'as pas le choix. Sinon, la Mustang? Bah écoute, franchement, pas mal, même pour moi, la Mercedes, c'est quand même mieux. Moi, je trouve que tu conduis bien. Là, faut dire que 10 vitesses. Ouais. 10 vitesses, mais ça consomme un peu quand même. Oui, là, depuis qu'on est parti, je consomme en moyenne 8,5 litres. 8,5 litres. C'est 10 vitesses, mais ils ne roulent pas au couple, hein, parce que là, je suis à 75 miles à l'heure, donc 120 km/h. Et je suis à la 10e vitesse, et bon, c'est un 6 cylindres quand même. Hein. Un 6 cylindres. Et puis, aux États-Unis, ils s'en foutent. Ouais, mais quand tu vois combien ça coûte. 2,50 $. 2,50 $ pour un gallon. C'est-à-dire à peu près 4 litres. Un peu moins de 4 litres. Alors tu penses bien qu'on s'en fout, hein. Mais tout est démesuré ici en Amérique, tout, hein. Même les camions, ils sont démesurés. Alors les camions, là, donc je suis à 120 km/h, ouais, il y a un camion devant moi, bah, tiens regarde, voilà, tiens, regarde, voilà. Aucun souci, narmol, voilà, voilà. Et si tu roules pas assez vite, c'est eux qui te doublent. Donc tout à l'heure il y a un camion qui m'a doublé à 130 km/h. Les camions sont pas bridés ici, voilà, narmol. Ça va, ça t'arrache pas trop la tronche? Non, jusqu'ici non. T'es sûr? On va les autres, hein. Enfin, mais ça, j'ai déjà essayé 3 sauces, j'en peux plus. Ça va? Qu'est-ce que tu fais? Tu vas goûter encore? Mais tu vas pas tous les goûter. Si. Et alors? Jusque là? Est-ce que t'aimes bien? Spécial celui-là. T'as fait quoi ça? You wanna try some glass? Eh mais tu te régales là. Tu prends ton profites pour prendre ton petit déjeuner ou quoi? Alors? J'essaie de trouver un qui pique, qui m'arrache vraiment. Ah ben là, c'est celui-là. C'est celui-là qui arrache. Là, c'est la scorpion. Attention, ils ont pris la tête qui tire. Alors? Maybe give it some time. Yeah. Here. Essaye encore une fois. Là. Ah. Même pas. On a camera, no I'm problem. Good. I'm on a camera right now. But... Tu fais ça pour la caméra? Ah. Oh. C'est bon, ça pique? Mais non. Ouais. Ah, c'est après que ça vient? Oh. Alors? C'est bon? Qu'est-ce qu'elle dit? C'est bon, ça pique? Oh. Tu veux de la glace pour rafraîchir ta bouche? Vas-y, prends de la glace. C'est pas piquant. Vas-y, prends. C'est une pas piquant. À ce point? Oh ouais, là. Bah tu faisais ton beau, ça marchait pas? Est-ce que tu veux le glace aussi? Non, thank you, merci, c'est gentil, c'est gentil. Ah, thank you. C'est bon? Ouais. Mais est-ce que c'est bon? Je vais continuer. Mais non, tu t'es... Encore? Mais non. Attends, c'est la scorpion celle-là. Hein. C'est la scorpion celle-là. Oui, je vais pas le laisser dedans quand même. Ah ben vas-y alors. Oh. C'est bon? C'est bon? Mais ça aussi c'est bon, mais... C'est quoi, c'est de la... Ça soulage. T'as la larme à l'œil, hein? Ouais, oh, dis, oui, mais oh, celui-là, c'est ça. C'est lequel, celui-là? C'est le scorpion. C'est le Tabasco scorpion. Là, celle-là. Il nous avait prévenu de la manger en dernier. Il faut toujours que tu fasses le malin. Moi, je savais pas. Mais je te l'ai dit. Oh. Ça pique encore? À ce point, oh, c'est un petit... pas goûté là. Bah non, je vais pas goûter, je suis pas fou. C'est bon? Ça c'est bon. Ça soulage. Mais ça pique toujours. Non, ici ça va. Mais ça après quelques secondes, ça recommence. Regarde, ça recommence. Je goûte plus rien. Ah, dis. Partout, ça sur la langue, au fond de la gorge, partout ça pique. Mais est-ce que c'est bon au moins? Ben... oui, c'est bon, bien sûr. Oh, ça recommande. Donc, tu vas pas manger 3 litres de glace quand même. Ouais, je sais pas, mais... tu continues ta... ton expérience gustative? Ouais, tout. Bah, tu voulais tout goûter. Moi, je vais le faire en toute... Je t'ai dit, c'est celle qui pique le plus fort. Mais moi, je pensais qu'entre-temps, tu l'avais goûté. Ah non, je l'ai pas goûté, moi. Moi, te voyant pas broncher. Mais non, tu faisais celui qui était blasé. Alors, je dis, passe directement au fort. Après, celui qui était blasé. Je dis, Michel l'a goûté, ça ne lui fait rien, donc ça va rien me faire non plus. Oh, putain, ça pique de lourd. C'est une excuse pour manger de la glace, c'est ça en fait. Non, mais c'est vrai, elle est bonne, hein. Mais non, c'est pas l'excuse, c'est vraiment que... c'est vraiment ça. Ça pique, hein. C'est fou ce truc. Moi, j'ai jamais mangé un truc aussi fort. Même le wasabi, c'est pas aussi fort. Ah non, wasabi, ça n'a rien à voir. Ça va mieux? Ouais, déjà. C'est bon? Ça commence, hein. Sérieux? Mais pourtant, t'as pris qu'un petit bout sur un petit wow. C'est fini là, non? Non, c'est pas fini. Tu en achètes? T'en reprends? Ah bah, ça pique, hein. Mais il faut arrêter à un moment donné, hein. Va lui dire à la sauce. Va lui dire à la sauce. Je vais parler à la sauce, tu vas voir. Hé hey Michel, ouais. Avant de partir, ouais. Essaie-moi un petit peu là, le Tabasco scorpion. Voilà, j'ai vu dans quel état ça t'a mis, je suis pas fou. J'ai pris mon Tabasco garlic, donc à l'ail, mon petit cadeau pour Camille. Et puis non, ça, je suis pas fou. C'est pas une question de fou, allez, c'est quand même, moi je l'ai fait, tu... allez, moi à mon âge je l'ai fait, et toi, jeune avis, comme mais, tu es... Moi je t'ai vu, je suis sage, je fais pas. Et pourquoi je le ferais, ça me rapporte quoi de le faire? Ça te rapporte, ben rien, mais ça... Et pour qui je le ferais? Pour moi, pour que je puisse rigoler. Peut-être pour mes abonnés alors. Allez, pour tes abonnés, ouais, allez. Pour mes abonnés, il faut qu'ils s'abonnent, voilà. Ah bah, si... Et il faut qu'ils like la vidéo, et je verrai le prochain épisode, allez. Non, allez, vas-y. Abonne-toi. Like la vidéo, peut-être que j'y vais. Vas-y, ouais. Abonne-toi. Like. Non, j'attends qu'il like. Ah ben voilà, ça, il a bien liké. Je sais pas, j'ai pas vu. Like la vidéo. Voilà. Allez, viens, on rentre. Ils ont pas liké, tu vois. Ah, elle est là. Ouais. Allez. Ah. Toi, cher abonné, parce que je t'aime. Allez. Je prends un pickle. Non. Là. Oh. Good one. Ah. Ça, c'est bon. What this one. Oh. Bon alors. T'as liké la vidéo, tu t'es abonné? Oui, c'est fait. Oui, bon, toi t'es abonné. Bon. Allez, vas-y. Je prends ça. Là. Et je prends celle-là. Ouais, tu prends. Non. La scorpion. Voilà. Voilà. Voilà, il y en a. Tu me filmes même pas. Comment il y en a? Oui, il y en a. Allez, vas-y. Bon. Tu me filmes au moins? Bah, bien sûr. Faut le voir. Bon, voilà. Là, je prends tout petit bout. Allez. Ok. Voilà, il n'y a pas de problème. Ouais. Ok, on va attendre. On va attendre quelques secondes. Ça va. Ouais, ça va. Ouais. Oh, putain. If you are a man, you have to do it. Non, ça va, elle est bonne. Oh, she's good. I'm good. Ooh. Ah ouais, c'est pas mal. Ça va. Ah ouais, mais elle arrête pas de venir, hein. Ah ouais, absolument. It's keep coming. Ah. C'est un des 5 piments les plus puissants au monde. Sans blague. Oh. T'es pas trop loin là? Non. Ah ouais. Oh, j'arrête pas. Regardez les yeux qui pleurent là. Non, pas encore. Ça va venir, ça va venir. Parce que là, ce n'est que le début, là. Ça va. Oui, tu viens de prendre de la glace, c'est normal. Ça va. Ah ouais. Voilà, ouais. I'm fine. Ouais. I'm fine. Ouais. Ça va, c'est pas terrible. Il n'y a pas de touche, c'est le mac à faire. C'est pas mal. Ça va, ça va. Tant que tu manges de la glace, il n'y a pas de souci, hein. Ah bah oui, là, ça. Ouais, ouais, ouais. Tout la glace à la framboise. Ça va bien. Mais oui, bien sûr que ça va bien, tu manges de la glace. Tant que tu mangeras de la glace, ça ira bien. C'est pas tout le cinéma que t'as fait autour de ça. Ouais, bah bon, ok, ça va. Ah, dès que t'arrêtes ça, ça reprend. Et alors, je pensais que c'était rien. Dès que t'arrêtes, ça reprend. Le problème, c'est qu'il n'y a plus de glace maintenant. Ça brûle dans toute la bouche. Jusque derrière les dents, la langue, la gorge. Oh punaise. Oh. Ça va, c'est pas terrible. Il est presque à genoux et il dit c'est pas terrible. Ça, ça continue à brûler. Hein. Alors, les larmes commencent à venir petit à petit, parce que c'est pas fini, hein, c'est pas fini encore. Faut pas ouvrir la bouche. Alors Superman, et alors? Il fait chaud, hein. Je pensais que ça te faisait rien. Pas aussi. Oui, c'est pas aussi. Faut pas ouvrir la bouche. C'est de l'oxygène qui rentre, ça. Attends, ça me pique aux dents. Ah oui, I will try. Yeah. Alors, ça c'est quoi ça? Ça c'est du soda Tabasco, spicy soda. Ça sent là du Coca-Cola avec de la Javel. Avec de la Javel? Oh, je rigole. C'est bien? Ouais, c'est pas mal. Ah ouais, c'est pas mal. Ah ben ça guérit, voilà, j'ai plus mal. Ouais, ouais. Ouais. It's over. J'ai connu ça. It's over. Ouais. Great, thank you. It's amazing. Yeah. Oh, no, it's not over. Oh! Thank you, it was nice to meeting you too. Oh, on passe à la caisse. On passe à la caisse. Have a nice day. Oh, ça arrête pas. Hein. Non, tout va bien, tout va bien. Ça, c'est ce qu'il veut montrer, hein, mais... Là, eh ben, ça brûle, hein. Bah oui, bah oui. Là, bah... c'est fini chez toi? Oui, oui, moi, c'est fini maintenant. Et je pense que t'en as pris plus que moi. Ouais. Moi, j'en ai pris un tout petit peu, j'ai gratté sur le bord. Ouais, parce que tu... Oh. Tu as vu ce comme... Et en plus, c'est dans toute la bouche, hein. Ah, ça la langue, partout. Même les dents, la langue, partout. Alors, la sauce Tabasco scorpion, fait avec le 5e piment le plus piquant au monde. Un des 5 plus puissants. Un des 5. Non, le 5e, c'est le 5e. Ah, c'est le 5e. Regardez là. Je sais pas combien ça vaut sur l'échelle de Scoville, mais ça pique. Hein. Regardons les larmes. Ah, il n'y a pas de larmes. Les larmes qui coulent. Tout va bien. Superman, bah, Superman. Voilà. Mmh. Oui, oui. Allez, on va en caisse. Il serait temps que j'arrête de filmer parce que... Ah. I'm done. I'm done for today. Papa, you should come back in a little bit when it stops burning and try again. Yeah. It's still burning now. You did wait till last, right? Ouais, je vous avais dit que c'était pas fini. Je vous avais dit que c'était pas fini. Ce que je vais partager avec toi, c'est l'expérience et l'histoire inspirante de McIlhenny, le fondateur de la marque Tabasco. Hein, tu connais cette fameuse sauce que l'on rencontre dans tous les restaurants, que tu as peut-être chez toi, dans ton frigo, dans ton placard, peu importe. C'est cette fameuse sauce qui est un condiment que tu mets sur ton poulet, sur tes œufs, enfin où tu veuilles, il n'y a pas de problème. Ce que je voulais partager avec toi, c'est l'histoire impressionnante du fondateur de la marque Tabasco, ce fameux monsieur McIlhenny. J'ai oublié son prénom au moment où je te parle parce que j'ai vu tellement de choses que j'oublie son prénom. Et ce qui est intéressant, c'est de lire l'histoire de cet homme qui est à l'origine de cet empire, parce qu'il sort de cette usine derrière moi qui n'est pourtant pas si grande que ça, des centaines de milliers de bouteilles de Tabasco au travers de plus de 185 pays au monde. Les étiquettes sont traduites dans plus de 25 langues. Enfin, c'est un truc extraordinaire. Et aujourd'hui, cette entreprise qui est volontairement restée une entreprise familiale depuis la 5e génération conserve toujours cet état d'esprit du fondateur de la marque Tabasco. Et ce que je voulais partager avec toi, c'est ce moment inspirant, toi qui doutes peut-être pour te lancer, toi qui doutes peut-être de te lancer, d'attendre le bon moment, d'attendre la bonne période, d'attendre d'avoir de l'expérience, enfin d'attendre à chaque fois un signe ou un moment pour pouvoir te lancer dans ton business, vivre ton rêve ou tout simplement te lancer dans tout ce que tu as envie de faire. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre un petit peu qu'à un moment donné, c'est pas le fait d'attendre qui importe, c'est le fait de se lancer et d'agir en conséquence. Et ce n'est pas une question d'âge, ce n'est pas une question d'expérience, c'est une question d'action. Et on le voit encore et encore dans toutes les histoires à succès. C'est pas juste une question d'idée, parce que parfois je rencontre des gens qui disent j'ai pourtant une bonne idée, et cette idée, pourquoi ça marche pas? Parce que la réussite ne se limite pas à l'idée. Si ça se limite à une idée, ça restera toute votre vie une idée. Et si vous la partagez juste autour de vous, ça restera une petite idée partagée auprès de vos collaborateurs ou de ceux que vous aimez. Ce que McIlhenny a fait est extraordinaire. Il faut savoir que donc il est né en 1815, donc il a vécu sa vie et il était au départ libraire et ensuite, beaucoup plus tard, il est devenu banquier. Il est devenu banquier pour une banque privée et ça a été la majeure partie de sa vie et de sa carrière, c'était de vivre dans un univers bancaire. Il était banquier. En 1861 éclate la guerre de sécession. Et vous savez, ici en Louisiane, on est dans le sud, un état riche, mais également riche parce que l'exploitation de l'esclavage et bien entendu l'union. Donc les forces du Nord, les forces d'Abraham Lincoln ont fait tout pour arrêter l'économie locale et évidemment toutes les industries du Sud étaient ruinées, faillites, détruites, voire même bombardées, dynamitées. Ben voilà, comme on fait souvent dans toutes les guerres, on arrête justement l'économie locale pour essayer d'épuiser l'ennemi. Cet homme était ruiné en 1861 et pendant les 4 ans de la guerre de sécession, il ne s'est pas passé grand-chose ici dans l'État. L'État est devenu très pauvre. Et on pourrait dire, voilà, arrivé à une cinquantaine d'années, je suis ruiné, j'étais banquier, que faire? Il ne pouvait plus rien faire. Et à 56 ans, il a lancé cette idée de sauce que l'on connaît aujourd'hui à 56 ans. Et il s'est mis à la distribuer de façon locale. Et puis de plus en plus à la développer, à la distribuer de plus en plus loin. Et ce que McIlhenny avait compris, c'est que la sauce ne se limitait pas à être bonne, c'est qu'il y avait derrière aussi tout un travail de distribution, de marketing, de diffusion. Si tu veux que ton idée soit connue, il faut la mettre en pratique, la développer et surtout faire en sorte qu'elle soit connue du plus grand nombre. Cette sauce est aujourd'hui distribuée, je le disais tout à l'heure, dans plus de 185 pays parce que déjà à l'époque, il avait compris le pouvoir du marketing. Il est allé dans tous les restaurants et lui son rêve et son idée de marketing, c'est de faire en sorte que cette sauce se retrouve sur toutes les tables du monde entier. Il avait une vision et pas une vision locale, il avait une vision globale, une grande vision. Et ici ce que j'adore aux États-Unis, on voit grand dans tes projets, ose voir grand. Ce n'est pas juste une expression, si tu veux aller dans la lune, vise les étoiles, ce n'est pas une expression, même moi avec ma propre expérience je te le dis, et tous les gens que j'ai rencontrés qui ont réussi, c'est exactement pareil. Et ici encore sur ce site de Tabasco, le fondateur de cette sauce, dans un endroit paumé en Louisiane, c'est paumé ici, c'est au milieu de nulle part, a réussi à créer un empire. Si tu veux créer ton empire entre guillemets, ton empire métaphorique, quand tu as une idée, distribue-la. Ils ont réussi à faire des placements de produits. À l'époque, déjà dans les années 20, Charlie Chaplin, dans un film, tenait à la main dans un restaurant une bouteille de Tabasco. Dans les années 20, McIlhenny avait compris qu'il fallait que sa marque soit vue. Et ne te dis pas que c'est pas accessible, ne te dis pas que c'est pas possible, parce qu'à chaque fois que tu te dis que c'est pas possible, tu n'y arriveras pas. Et bien sûr, ça peut être difficile. Difficile n'est pas impossible. Mais cet homme partait du principe que s'il n'essayait pas, il n'aurait rien. Il a essayé, et il a essayé à maintes reprises. Ici, l'histoire ne nous dit pas à combien de reprises il a essayé, mais il a essayé. Et on voit ces bouteilles de Tabasco dans une multitude de films, et même dans un dessin animé Walt Disney. La princesse et la grenouille, on la voit avec une bouteille de Tabasco. C'est un placement de produit, d'accord? Mais déjà à l'époque, il y a 5 générations, il avait compris le pouvoir de la diffusion, de la distribution et du marketing. Alors, tu peux maintenant te dire, ouais mais ça va, je comprends rien au marketing, je suis pas un roi du marketing. Ne te cherche pas d'excuses. Commence petit, commence à distribuer, va autour de toi. La sauce Tabasco, déjà au début du XXe siècle, était déjà distribuée en Inde et en Himalaya. Et on peut pas dire que il y a 120 ans, ils étaient des génies du marketing comme nous on peut l'être aujourd'hui, quoique, quand je vois ce qui se faisait déjà à l'époque, c'était pas mal. Et puis si tu ne sens pas le marketing, entoure-toi de gens qui vont pouvoir t'aider. Le succès ne vient jamais seul non plus, jamais. La prochaine fois que tu te demandes si c'est le bon moment pour commencer, que tu aies 20 ans, que tu aies 30 ans, que tu aies 50 ou 56 ans comme McIlhenny, lance-toi, parce que tu ne sais jamais ce qui peut arriver. La seule chose que tu sais, c'est ce que toi tu vas pouvoir faire. Si tu sais que tu n'y arriveras pas, ce ne sera pas vérité du moment. N'abandonne pas. Voilà. Tu les aimes. Plante, parasite, on t'a pris, on t'a touché, puis on te jette.